Besoin d'un laissez-passer pour rentrer chez vous? À Oudezel, c'est le cas pour les habitants de la rue de Bambeck. Le village en Flandre accueille depuis mardi le tournage du dernier film de Danny Boone, La Ch'tite Famille. Beaucoup d'excitation parmi les riverains qui découvrent d'un peu plus près le monde du cinéma. Nous, on est tous bien énervés parce qu'il y a le tournage de Danny Boone qui se fait dans notre rue. On a eu l'arrivée de beaucoup de camions-cabines pour les artistes, etc. Et puis là, maintenant, c'est la production, quoi. Donc, ça bouge beaucoup. On voit beaucoup de choses auxquelles on ne s'attendait pas et qu'on ne connaît pas forcément, quoi. Hier soir, vers 20h30, mon épouse et moi-même, on a vu monter dans le ciel une espèce de montgolfière. On pensait que c'était une montgolfière, on s'est dit, mais qu'est-ce que ça fait là, dans un tournage comme ça? Et puis non, vers 22h, elle est montée très haut dans le ciel, et à 22h30, elle s'est mise à illuminer, mais on se serait cru en plein jour, quoi. Mais pas question d'aller sur les lieux du tournage, une équipe de sécurité veille jour et nuit sur les acteurs. Cela n'empêche pas les curieux d'aller voir les lieux et de tenter d'apercevoir le chouchou des ch'tis. Ce matin, nous sommes venus marcher à Oudezel. Nous y venons de temps en temps puisque nous sommes du coin. Là, on vient de s'arrêter. J'ai pris une photo. C'est pas tous les jours qu'il se passe ce genre de choses à Oudezel. On est venus un peu essayer de voir le tournage donc de La Jolie Ch'tite Famille. On profite que Danny est dans le coin. Ça fait quand même plaisir de le voir, hein, et qui met en valeur quand même la région. Je suis un fan de Danny Boone, hein, on l'adore. En plus, c'est un ch'timi. Et on adore ses films, il est marrant. Il a commencé bon, on va dire, et maintenant il cartonne. Les retombées du film se font déjà sentir au quotidien sur la commune d'Oudezel. En effet, les cafés et estaminets du village accueillent au quotidien la production. Mais les riverains restent partagés quant aux futures retombées de La Ch'tite Famille sur le village. On espère qu'il y aura des retombées positives, on n'est pas certain, mais on espère ça, quoi, parce que bon, on a un petit village en Flandre. On est une petite commune, je ne pense pas qu'il y aura de retombées après. Par contre, pendant le tournage, effectivement, ça fait vivre nos petits commerces, que ce soit l'estaminet ou que ce soit les petits cafés ici où vous êtes, quoi. Pour la ville, peut-être pas, parce qu'on est vraiment à l'écart d'Oudezel. Quand on arrive, on a vu que le panneau d'Oudezel s'est barré, donc on est à l'écart. Pour la région, je pense qu'il y aura des retombées. Peut-être pas comme Bienvenue chez les Ch'tis, mais ça va faire de la valeur à la région. Le calme devrait revenir à Oudezel vendredi prochain, date de la fin du tournage de La Ch'tite Famille.